Matryoshka est un jeu d'échange et de bluff sur le thème des poupées russes. Les joueurs tentent de réunir la plus belle collection. Dans Matryoshka, les joueurs jouent avec 6 à 10 séries de 7 cartes. Chaque carte est présente en un seul exemplaire. Matryoshka se joue en 4 manches. Une manche se compose toujours d'une phase de pioche, suivie d'une phase d'échange. La phase d'échange se conclut lorsque chaque joueur a initié un échange. Pour lancer un échange, le joueur dont c'est le tour choisit une carte de sa main et la place visible devant lui. Les autres joueurs proposent l'une de leurs cartes face cachée. Cette action est obligatoire, que la carte soit intéressante ou non. Le joueur qui a proposé l'échange regarde secrètement les cartes et en choisit une. Il la prend et donne la sienne à l'autre joueur. Les cartes non choisies sont simplement reprises en main. À la fin de chaque manche, les joueurs organisent leur zone de jeu sous forme de tableau. Le nombre de poupées russes à placer dépend de la manche. 4 cartes à la première manche, 6 à la deuxième manche, 8 à la troisième manche et 13 à la quatrième manche. Elles sont d'abord posées face cachée, puis révélées et organisées lorsque tous les joueurs ont choisi. Les lignes correspondent aux couleurs et les colonnes aux numéros. À la fin de la partie, les joueurs gagnent des points suivant le nombre de cartes dans chaque ligne et chaque colonne. De 2 points pour 2 cartes, à 16 points pour 7 cartes. Les longues séries d'une même couleur donnent quelques points bonus. Matryoshka fait partie de la gamme Pocket Mini, une gamme de petits jeux très différents, que ce soit par le nombre de joueurs ou par le style. Il s'agit de jeux compacts qui coûtent moins de 10 euros. On y trouve des titres comme Sorting Ghost, un jeu de déduction minimaliste, Iron Curtain, un jeu expert sur le thème de la guerre froide, Claim, un jeu de plis pour 2 joueurs.